Entre les pénuries des composants, les prix qui explosent et l'indisponibilité de beaucoup de pièces dans pas mal de boutiques, difficile de s'y retrouver pour savoir quel matériel choisir pour faire tourner au mieux Recallbox. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma sélection matérielle 2022-2023 pour faire tourner au mieux Recallbox tout en prenant en compte l'intégralité des paramètres, à savoir le meilleur rapport qualité-prix, bien évidemment, mais également performance et disponibilité. Donc, un papier, un crayon, vous allez voir. Je vous explique tout, la shopping list, les prix, les endroits où trouver bien évidemment ce matériel et puis quelques astuces en vrac. C'est parti! Alors comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, je ne cherche pas ici à vous présenter le matériel aux performances ultimes. Non, toujours, encore une fois, priorité au meilleur compromis, au meilleur ratio entre la qualité, le prix, les performances, la disponibilité, puisque vous le savez, c'est très compliqué en ce moment de pouvoir s'approvisionner et d'acheter un petit peu ce que l'on veut, et puis aussi la facilité d'utilisation, puisqu'encore une fois, moi j'ai à cœur à ce que ce soit particulièrement plug and play, donc comptez sur moi pour vous présenter également du matériel très facile à utiliser. Je vous montre donc ma petite shopping list pour le matériel idéal pour faire tourner Recallbox pour cette fin 2022, début 2023, puisqu'à mon avis, avant l'annonce d'un Raspberry Pi 5, à mon avis, cette liste risque d'être encore pendant pas mal de temps d'actualité. Mon coup de cœur va donc pour ce kit complet Raspberry Pi 400, je dis bien en kit puisque vous allez avoir à l'intérieur le Raspberry Pi 400 qui est un clavier ordinateur avec donc toute l'électronique qui est très similaire au Raspberry Pi 4 que vous connaissez très probablement. Vous allez simplement avoir eh bien ici un clavier ordinateur qui va être beaucoup plus grand, donc les composants bien moins les uns sur les autres et donc qui va avoir une meilleure dissipation thermique. Bien évidemment, c'est une dissipation totalement passive, ça ne fait pas un bruit et du coup les performances sont vraiment très 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 intéressante. L'avantage également de l'acheter en kit, c'est que vous avez tout à l'intérieur. Vous allez avoir l'alimentation officielle, le câble HDMI officiel, et c'est un câble en micro HDMI, donc c'est plutôt pratique de l'avoir sous la main. Vous allez également avoir la carte micro SD aussi pour pouvoir installer Recallbox. En plus de ça, vous allez avoir une petite souris officielle USB et un petit manuel à l'intérieur. Petite information, malheureusement, ce kit n'est pas disponible actuellement en version AZERTY, puisque victime de son succès, on l'a quand même pas mal conseillé hein, sur tous les lives que vous pouvez suivre sur la chaîne Twitch de Recallbox. Et on vous remercie de nous avoir fait confiance, mais n'oubliez pas que vous pouvez tout à fait l'acheter en version européenne. Ça veut dire allemand, italien, espagnol, portugais. Il va y avoir finalement que la disposition des touches qui va changer, mais pour 95% d'entre vous, ça ne va pas forcément vous servir dès lors que vous n'utiliserez pas, par exemple, les ordinosaures. Et quand bien même vous utiliseriez les ordinosaures, n'oubliez pas que ça a vocation à être branché à côté de votre PlayStation, votre Xbox, votre Wii, peu importe ce que vous avez comme console, donc sous-entendu sous votre télévision. Et si toutefois vous aimeriez pouvoir utiliser un clavier, rien ne vous empêche de pouvoir brancher un petit clavier comme ça sans fil. Ça, c'est une version portable pas ultra pratique mais qui peut faire le job. Vous pouvez aussi également investir par exemple dans un K400 de chez Logitech que j'utilise très régulièrement, ou n'importe quel autre clavier sans fil avec un petit dongle USB qui va bien. Ça, en tout cas, pour moi, c'est véritablement mon coup de cœur. Le gros avantage également, vous l'oubliez souvent, mais c'est qu'il n'y a absolument aucun bricolage à faire puisque eh bien le clavier est fermé hein. Vous avez juste la carte micro SD à mettre à l'intérieur, pas de pi à brancher, à mettre dans un boîtier, à relier le ventilateur, l'alimentation, les ports GPIO, à refermer le boîtier, à visser, à dévisser. Ah oh mince, j'ai oublié le safe shutdown, il faut que je réouvre tout, machin, etc. Ce qui va vous prendre une bonne heure de configuration. Et bien là, ici, c'est totalement plug and play et ça, honnêtement, j'adore. J'attire votre attention également que sur le site de Cubi.fr, il existe également une version Raspberry Pi 400. Plus, à l'intérieur, ils ont simplement fait une petite différence, c'est qu'ils incluent une carte micro SD beaucoup plus costaud et surtout Twister OS, qui est donc un système d'exploitation qui vous permet d'avoir une utilisation un petit peu bureautique. Donc,
c'est à essayer, pourquoi pas. L'avantage, c'est qu'il semble y avoir des claviers AZERTY de disponibles dans cette version plus, donc peut-être parfois pour une petite dizaine d'euros supplémentaires, ça peut éventuellement valoir le coup. Finalement, je pourrais pratiquement m'en arrêter là en matière de sélection matérielle, puisque pour le reste, vous pouvez tout à fait faire du recyclage. Mais si vous partez véritablement de zéro, laissez-moi vous présenter également ce que j'ai sélectionné pour vous pour avoir une excellente configuration. À commencer bien sûr, eh bien par la manette. Quitte à en prendre une, autant prendre la meilleure. Voici donc la 8-bit Do qu'on appelle la Pro 2, qui est donc celle qui succède à la SN30 Pro Plus, qui était absolument extraordinaire déjà, mais qui apporte encore plus de possibilités. Donc celle-ci, véritablement, je vous la conseille, déjà parce que rapport qualité-prix très très bon, même si on est sur une gamme de manettes quand même plutôt haut de gamme. Mais surtout, c'est la compatibilité qui est sensationnelle, puisque vous pouvez jouer avec sur Switch, sur Windows, sur Android, sur Mac, sur Steam, sur Raspberry Pi, etc., etc. Donc ça peut être une manette qui peut faire à la fois manette de Nintendo Switch et également manette pour votre Recalbox. J'adore l'ergonomie, j'adore le côté manette symétrique, donc ce qui veut dire une grosse croix directionnelle bien facilement accessible, une disposition à la PlayStation, donc en losange, qui est très pratique à la fois pour les jeux Super Nintendo, les jeux PlayStation, tous les autres également sont bien évidemment compatibles. Et vous avez en plus donc les deux joysticks et les quatre gâchettes pour pouvoir être compatible avec un maximum de systèmes. L'avantage, vous pouvez également avoir des profils, etc. Bref, je vous détaillerai l'intégralité de ces fonctionnalités dans une autre vidéo, puisqu'on a déjà eu l'occasion de vous présenter cette manette justement précédemment. Alors, qui dit manette 8-bit Do dit également dongle récepteur 8-bit Do. Alors ça, c'est un tout petit accessoire que beaucoup oublient de mettre dans leur panier, mais pourtant Dieu sait que c'est pratique. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce petit dongle ici USB va vous permettre de pouvoir connecter votre manette, mais bien plus encore. Alors vous allez me dire, oui mais la manette elle est Bluetooth, on pourrait le mettre directement sur le Raspberry Pi. Oui, mais pourquoi? Bah parce que la manette, comme vous venez de le dire, elle est Bluetooth. Le Bluetooth n'est pas connu pour être une norme très véloce, avec une grande portée, une grande compatibilité, etc., etc. Donc, moi, je vous conseillerais quand même de plutôt passer sur ce genre de dongle. Pourquoi? Bah parce que vous transformez la manette non pas en Bluetooth, mais en 2,4G, ce qui vous permet d'avoir donc une plus grande réactivité. Et en plus, gros avantage, c'est que votre manette, ici, vous ne l'appairez pas à votre Recalbox, vous l'appairez directement au dongle, ce qui veut dire que, eh bien, si vous voulez brancher cette manette sur votre Switch, par exemple, il vous suffit d'enlever le dongle, de la mettre sur la Switch, il n'y a rien à resynchroniser, désynchroniser, resetter ou quoi que ce soit, tout est déjà opérationnel, et ça, c'est quand même très pratique, donc c'est pour moi un grand oui, et pensez à avoir ce petit dongle. Autre petit accessoire aussi, qui est totalement facultatif, mais auquel il faut penser, il y a un petit inconvénient sur le Pi 400, ils n'ont pas pensé à faire une sortie jack dessus. Vous n'avez pas la possibilité de brancher par exemple des haut-parleurs, un casque ou quoi que ce soit d'autre. Donc, notamment si vous voulez avoir une utilisation dans une borne d'arcade, pensez à prendre une toute petite carte son comme ça, un petit truc USB. Ça, ça vaut que dalle, hein, ça vaut moins de 10 balles si vous en avez besoin. Et si vous avez la nécessité d'avoir un port mini jack pour pouvoir sortir un casque, des haut-parleurs ou quoi que ce soit, eh bien, prenez ça. Honnêtement, ça vaut vraiment pas grand-chose, une petite dizaine d'euros. Et c'est toujours pratique à avoir dans ce cadre d'utilisation. N'oublions pas également les grands gourmands et les gros consommateurs qui vont me demander, alors comment on fait pour stocker du coup, puisqu'à l'intérieur il y a une carte micro SD de 16 Go, ça fait peut-être un petit peu light. Vous avez raison. La carte micro SD qui est incluse au Raspberry Pi 400 en version kit, je vous le rappelle, eh bien, va servir uniquement à installer Recalbox, le système d'exploitation. Tout le reste, il faudra donc passer sur, par exemple, un disque dur. Moi, je vous le conseille, ça vaut pas si cher que ça aujourd'hui. Vous êtes capable d'avoir des disques durs entre 2 et 4 téraoctets, entre 45 et 70 euros. Je vous rappelle encore une fois que je vous conseille de passer par le site internet Deal Labs pour pouvoir avoir des bons plans. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas nécessairement les acheter neufs, mais de plutôt regarder du côté du reconditionné, notamment chez Western Digital. J'ai acheté quasiment tous mes disques durs là-bas.
et franchement, c'est du tout bon. Vous pouvez vous en servir pendant des heures durant. Le gros conseil que je vous donne, et ça par contre, c'est même pas un conseil, c'est un ordre, uniquement de l'USB 3, d'accord, que vous connectez en USB 3. N'essayez pas de faire du recyclage avec de l'USB 2 ou quoi que ce soit. Vous allez voir que les différences de performance sont juste absolument drastiques. Et donc, pour le disque dur, c'est exclusivement de l'USB 3. Et enfin, je termine mon petit tour de table par la présentation de notre création personnelle. Oui, vous l'avez spoté en plein milieu. Le Recolbox RGB Dual, c'est ce petit module qui va vous permettre d'ajouter à vos Raspberry une prise Péritel et une prise VGA pour pouvoir faire, comme derrière moi, brancher votre matériel sur un écran CRT d'origine. Et oui, parce que cette question, elle est très régulièrement posée, il est tout à fait possible d'acheter un Recolbox RGB Dual alors que nous avons un Raspberry Pi 400. Il se branche dessus et en plus, sur le site internet recolbox.com, vous allez bientôt pouvoir également acheter le boîtier qui va avec pour pouvoir le brancher, le plugger en toute sécurité. Donc, n'hésitez pas à aller faire un saut sur notre site internet recolbox.com si toutefois, le fait de rejouer sur la télévision de votre enfance vous fait de l'œil. Et honnêtement, entre nous, c'est vraiment pas pour vous pousser le produit, mais je vous invite une fois à craquer véritablement et vous allez voir que vous allez tout simplement kiffer. J'ai pas d'autres mots parce que ça a été le cas également. J'étais plutôt réfractaire à passer sur du CRT parce que j'avais cette image de c'est gros, c'est encombrant, etc. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est quand même diablement magique et hautement nostalgique. Donc surtout, n'hésitez pas. C'est bien beau tout ça, mais vous allez me demander, on trouve ça où et à quel prix? Eh bien justement, on va faire un petit tour de table de cette shopping list avec tous les bons plans et les bons conseils. Déjà, on commence par la pièce maîtresse de cette configuration, le Raspberry Pi 400. Tout ce qui est Raspberry Pi, ne vous posez pas de questions, c'est à acheter chez Kubi.fr. Pour le kit Raspberry Pi 400 en version européenne, vous le trouvez aux alentours de 125€. Vous pouvez le trouver légèrement plus cher en version Raspberry Pi 400+, en version AZERTY et avec une carte micro SD un petit peu plus costaud, ça peut vous permettre de pouvoir accéder donc à un clavier AZERTY si toutefois c'était vraiment indispensable pour vous. Moi, je vous l'ai déjà dit, mon clavier il est sous la télévision, je ne m'en sers qu'avec une manette, donc qu'il soit AZERTY, QWERTY ou n'importe quel autre format, je n'en ai absolument que faire. On continue avec la manette 8-bit DO, vous la trouvez un peu partout. Chez Kubi, il faut compter à peu près 55€. En tout cas, ce modèle, c'est véritablement celui que je vous conseille parce que vraiment, vous allez absolument kiffer. Si vous avez un petit doute ou un budget un peu plus limité, vous pouvez également passer sur la 8-bit DO, celle qu'on appelle la SN30 Pro+. Elle a une petite quinzaine d'euros de différence, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, les deux, vous pouvez y aller, c'est du tout bon. N'oubliez pas également que ce sont des manettes que vous pouvez mettre à jour avec le logiciel qui est disponible sur le site internet officiel de 8bitdo.com. On continue ce petit tour de table avec ici le disque dur que vous pouvez prendre entre 2 et 4 Tera hein, selon les configurations. Vous pouvez retrouver ça, comme je vous le disais, sur le comparateur de tarifs qui s'appelle Deal Labs. Et moi, mon coup de cœur, ça va vers le site internet officiel de Western Digital qui vous propose des disques durs reconditionnés. Alors par contre, je vous souhaite bien du courage si vous allez directement sur leur site internet et fouiller. Le conseil que je vous donne, créez des alertes sur Deal Labs. Vous allez voir, honnêtement, tous les mois, tous les deux mois, il y a des stocks de disques durs reconditionnés qui sont disponibles sur le site de Western Digital et vous allez voir des tarifs qui sont vraiment défiants de toute concurrence avec des prix qui vont varier entre 40 et 70€ selon si vous le prenez en version 2, 4 ou 5 Teraoctets. Ici, je vous en parlais, le petit dongle USB pour pouvoir brancher votre manette en 2,4G. Ça vaut une petite quinzaine, vingtaine d'euros selon le site où vous allez l'acheter. Pour rajouter une prise jack, ce qui n'est absolument pas obligatoire, comptez une petite dizaine d'euros, ça se trouve un peu partout. J'ai pas vérifié s'il y en avait chez Kubi, mais sinon sur Amazon ou autre, dans le cadre d'une petite commande, ça peut facilement se trouver. Un petit clavier comme ici, ça vaut quoi? Une dizaine, quinzaine d'euros, un truc comme ça sur le site de Kubi. Ça, pareil, pas très difficile à trouver et ça dépanne pas mal. Ça se branche avec un petit dongle directement en USB. N'oubliez pas que vous pouvez avoir toujours la possibilité de prendre un vrai clavier comme ça. Honnêtement, c'est peut-être un choix que je vous conseillerais aussi parce que ça vaut pas ultra cher. Ça,
c'est en promo pratiquement tous les deux mois. La référence s'appelle, ici vous pouvez le voir, le K400 de chez Logitech. Et en plus, vous avez donc un clavier avec un trackpad ici qui est très pratique à utiliser. Et quand en plus vous faites un petit peu de dépannage informatique ou vous avez besoin d'un clavier d'appoint ou quoi que ce soit, très pratique d'avoir un vrai clavier AZERTY également sous la patte et pas que pour l'utilisation. Recalbox, pareil, je vous le dis, il est en promo pratiquement tous les deux mois aux alentours de 20-25€. Un petit peu partout. Et puis enfin, n'oubliez pas également, donc l'une des pièces maîtresses pour pouvoir rejouer sur les vieux écrans CRT ici, il s'agit du Recalbox RGB Dual. Comptez 40€ pour l'adaptateur et puis après les accessoires qu'il ne faut pas oublier aussi, puisque honnêtement, ce serait dommage de passer à côté, le câble Péritel blindé pour pouvoir avoir une expérience sans bourdonnement de son. Vous allez également avoir le petit boîtier qui ira bien et qui viendra se pluguer directement sur votre Raspberry Pi 400, etc. Et là, vous allez me demander, bah du coup, ça fait combien tout ça? Eh bien, la totalité va osciller entre 125 et 250€. Ça va être selon, bien évidemment, si vous allez avoir besoin uniquement du Raspberry Pi 400 ou l'intégralité des accessoires que je vous ai présentés. En tout cas, vous pouvez y aller, c'est vraiment du tout bon et c'est moi en tout cas le matériel que j'utilise au quotidien. Donc j'y mets véritablement mon gros coup de tampon validé là-dessus. Vous avez d'autres expériences, vous avez d'autres matériels que vous préférez utiliser, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. En tout cas, pour moi, s'il y a une configuration que je devrais conseiller pour pouvoir vous lancer très facilement dans l'expérience Recalbox, c'est bien celle-ci. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas encore une fois que vous avez la possibilité de nous soutenir sur Patreon pour pouvoir nous filer un petit coup de main. Vous pouvez également avoir la possibilité de nous soutenir aussi du côté de Twitch si vous avez un abonnement Amazon Prime pour vos livraisons gratuites, pour également vos séries, vos films, etc. Le football, eh bien, sachez que vous avez le droit tous les mois d'aider gratuitement une chaîne Twitch. Si ça peut être celle de Recalbox, très bien. Si c'en est une autre, tant mieux, peu importe. En tout cas, l'idée, c'est de soutenir les créateurs de contenu que vous appréciez. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, comment faire ou quoi que ce soit, on se tient à votre entière disposition en message privé. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon jeu et à bientôt pour de nouvelles vidéos.